Nickel. Je pense que c'est bon. Au pire, bien la miniature, on le fait comme bois. Oui, on fait comme si on s'était énervé. Bien, on est... Tu sais pas faire la tête énervée. C'est quoi tu... Score. À la vôtre. Bon allez, Abdoulila, ça commence. Les michetots, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si vous vous rappelez de moi, c'est Florence Divi, c'est Félix Le Sep. On est frères et sœurs et on va faire aujourd'hui une vidéo qui de nous deux. J'avais absolument pas d'inspiration, je sais pas du tout quand cette vidéo sortira parce que c'est pas du tout ma priorité pour le moment, à tes souhaits. Je voulais faire une vidéo rigolote, faire un tag à l'ancienne et pas me fouler, donc du coup je me suis dit on va faire un petit qui de nous deux. C'est à dire que depuis le début je baisais avec ma sœur. C'est ça. Donc aujourd'hui je sais pas quand c'est que vous verrez cette vidéo, mais je la tourne pendant le confinement. Du coup on voulait faire une vidéo pour se changer les idées. J'ai préparé des petites pancartes pour répondre à vos qui de nous deux. Je voulais faire une vidéo pas très longue avec Félix parce que vous me l'avez demandé. Du coup j'espère que la vidéo va vous plaire. C'est parti. C'est parti. Donc, du coup j'ai screené tous vos qui de nous deux que je vous ai demandé sur Snap et Insta. Qui de nous deux a le plus peur du coronavirus? Ah je sais pas en vrai. Je réfléchis. Ah oh, merde. Vas-y. 1, 2, 3. Ouais, c'est toi. Mais après t'as pas forcément peur, mais des fois tu psychotes, t'es plus en relation avec les gens que moi. Oui, parce qu'en fait en tant qu'acteur porno, je touche de plus en plus de personnes. C'est que tu continues à côtoyer des gens, même le facteur quand voilà, il mais les gars, fallait me faire percer, et je serais youtubeur, je sortirais pas. Qui a fait le premier pas entre vous deux? Parce qu'à proprement parler, bon allez on fait 1. Attends, vas-y fille, à proprement parler. Non, je justifie après. 1, 2, 3. Oh voilà, c'est ça que je dis. À proprement parler, c'est toi qui es venu vers moi en premier. Attendez, dans la vie en général, et qui a fait le premier pas en geste, c'est moi. Il croyait que j'étais hautaine et que j'allais m'en foutre de lui. C'est vrai, je suis hautaine et je m'en fous de lui. Mais regarde, on est ensemble malgré tout. Et c'est lui qui est venu me parler en général parce que moi j'aurais jamais eu l'idée d'aller DM quelqu'un qui habitait pas loin de chez moi. Enfin, ça n'avait aucun sens. Moi ça m'est venu l'idée. En soi, le premier geste affectif, it's me. Yes, yes. Qui de vous deux va taper sur la gueule de l'autre pendant le confinement? 1, 2, 3. Je suis extrêmement tendue. Ah ouais, rendez-moi ma liberté. J'ai l'impression que tous les jours, j'ai l'impression qu'on va se séparer, qu'on va faire un live annonce, on se sépare et tout. Parce que c'est ouf. Bon, après, j'avoue, tu vois, là, j'avoue le truc. J'avoue, ça va être dur de vivre avec moi. Parce que, je suis un garçon, j'ai un pénis très long. Je suis un mec pas organisé, qui aime rigoler, mais vous voyez, je rigole tout le temps dans les vidéos et tout. Un peu trop. Dans la vraie vie, je rigole tout le temps. On peut pas avoir de conversation sérieuse et fondée. Et même quand on s'embrouille, je rigole quand même. Qui de vous deux est le plus impatient? Mais ça dépend pourquoi. Ouais, c'est moi. Merde. 2, 3. Dès que je fais un truc, je veux qu'il y ait le résultat de suite. Que ce soit pas forcément des autres, mais de moi. Genre quand je travaille, ben, je veux avoir direct un 18. Genre, quand je fais du sport, je veux avoir direct des abdos ou quoi. La meuf, elle va à la salle. Chut, allez là. Allez. Non, vraiment, si je suis un peu impatient. En fait, on est tous les deux impatients. Mais bon, qui se ressemble, ça ressemble. Comme moi, je veux des cheveux longs qui me touchent les fesses. Et ça fait 7 mois que j'attends. Mais d'ailleurs, à chaque fois, vous dites courage, Vivi, avec sa coupe, mais. J'ai fait un défi un an sans coiffeur, ça fait 7 mois là. Ça commence à devenir chaud. Qui de vous deux est le plus fort? Qui de vous deux est le plus fort bras de fer? Hop là, on va vérifier ça de suite. Mais d'abord. Félix, je peux pas. Allez, mais justement, allez, on va vérifier ça. Ah, attends, je mets le contexte. Je fais le TBC en ce moment. J'ai failli pas tourner de vidéo aujourd'hui parce que je pouvais même pas lever le bras pour mettre du shampoing sec tellement j'ai mal. Allez, 1, 2, 3. Allez, hop là, qu'on peut faire, allez. 1, prends ta commande. 2, 3. Lequel de vous deux déteste le plus de personnes? Oh, ça c'est facile. 1, 2, 3. Moi, toi, tu détestes personne. Oui, t'es juste déçu des gens et tu passes à autre chose. Mais je sais pas, j'arrive pas. Moi, je suis tellement blessée que je les déteste. Elle est très rancunière, moi je suis pas rancunier du tout. Mais toi, tu as du mal à faire confiance aux gens alors que moi non. Ouais, voilà, ouais. Et s'ils me font chier, c'est fini. Alors que toi, tu es trop gentil. Question suivante. Qui de vous deux a le plus d'ex? Ça c'est nul ça. Moi, je suis pas d'ex, moi. Allez, 1, 2, 3. J'ai mis au coin des deux parce que ben, moi j'ai pas d'ex. Enfin. Ouais, ça dépend. J'ai une femme libre. Oh. Avant toi, j'étais une femme libre. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est quoi cette histoire? Je me suis jamais engagée. On va pas savoir, mais personne ne veut savoir ça. C'est quoi ça? Je suis une femme libre. Et je veux dire... Avant toi. Là, je veux dire, je me suis jamais mis avec quelqu'un, bah j'avais pas trouvé. Elle perlera. Elle perd. Et je l'ai trouvé. Non, cucu, mais c'est pas grave. Ouais, c'est ultra cucu, les gars. Qui de vous deux est le plus excentrique? Je sais pas ce que ça veut dire. Ben... Enfin, excentrique, c'est le plus... Pourquoi tu prends des questions que tu comprends pas? Allez, dis-le le mot. C'est le plus...
Tu vois. Bon, passons. Non, mais non, je la ferme. C'est quoi excentrique? Moi, j'aime pas. Dis, Siri. Ah merde, j'ai pas interprété. Dis, c'est quoi excentrique? Que veut dire excentrique? En tant qu'adjectif, ça signifie éloigné du centre. Souhaitez-vous que je vous lise l'élément suivant? Oui. Ça signifie extravagant, original. Voilà, c'est ça. J'en étais sûre, mais je me suis dit si c'est ça. Mais en vrai, vas-y, 1, 2, 3. Tous les deux, à mon avis, extravagant. Mais moi, je suis capable de montrer mon cul dans la rue, de crier, de grand n'importe quoi et tout ça, de faire des folies. Et elle, elle est originale. Non, juste, je m'en fous de ce qui est dans les codes. Et moi, je te trouve, par rapport à d'autres filles, je te trouve originale. Qui de vous deux est le meilleur parrain de Thierry? C'est moi, parce que c'est moi qui lui dis de me sortir. Fais 1, 2, 3. 1, 2, 3. Il dit que je lui fais des choses mal alors que c'est toujours moi qui m'occupe de lui. Il l'amène toujours dehors, je le montre dans mes vidéos dès que je peux et je l'amène même à l'école. Mais regardez sa gueule aussi, il est tout flagada, alors regardez comment il est devenu. Qui de nous deux chante le mieux? Bah moi, à partir du moment où je fais des covers... Je fais trop bien la trompette. Vas-y, fais-le. Il est persuadé qu'il sait bien faire la trompette. On va finir par une question. Non, pas finir. C'est pas fini. Fais-lui. Encore deux. C'est pas toi qui. Encore une, toi, une, moi et c'est fini. Ok. Qui de vous deux a vu le plus de concerts? 1, 2, 3. Ça c'est très facile. Même elle a vu 18 fois Big Flo et Oli déjà. Déjà, mais on va dire que ça compte pas parce que c'est beaucoup trop. Le premier concert de ma vie, c'était le sosie officiel de Claude François. J'ai été fan de Clo-Clo. J'ai été fan de ses Claudettes, j'ai été fan de ses paillettes et d'Alexandrie Alexandra. C'est qui, moi, le premier concert que j'ai vu? C'est quoi? C'est l'homme pâle. Qui de vous deux fume le plus? 1, 2, 3. Je tiens à préciser. C'est un camionneur, c'est horrible. Que je fume pas de tabac, j'aime pas ça. Là, tu me passes autre chose, je le fume, mais le tabac, j'aime pas ça. Du coup, elle fume des cigares, les gars. Oui, j'aime bien. Je sais qu'il y a des abonnés qui suivent mes copains et mes copines sur Snap, et du coup, ils me voient fumer, mais c'est juste que c'est pas un super exemple. Je vais pas me filmer en train de fumer, ça, ça sert à rien. Bon, bah, c'est une fin de tournage. On espère que la vidéo vous a plu et que vous avez passé un bon moment, que vous en avez appris un petit peu plus sur nous. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner. Pouce rouge. Et oui, c'est pareil, pour le référencement, c'est pareil, donc mettez un like comme vous voulez. Ah oui, c'est pareil, c'est juste à titre indicatif pour le youtubeur. Ça va rien changer, c'est juste vous qui choisissez comme vous voulez. Bref, n'hésitez pas à venir sur ma chaîne d'ASMR, ma chaîne de vlog, tout est en description comme étude, et ici, je sais pas si c'est là ou là, un petit mot. Bon. Gros bisous, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous retrouve mercredi à 16h pour une prochaine vidéo. Et moi, je vous retrouve sur ma chaîne YouTube, viens, s'il te plaît, là, dépêche-toi. Ben voilà, gros bisous. Bisous, ciao, ciao.